Président pays a Jovenel Moïse continue à faire vivre dans le département Sidla dans quatre caravanes changement. Fois ça, c'est zone côte Sidla qui te recevoir visite chef l'État. Accompagné avec ministre agriculture, directeur départemental environnement, ministre intérieur et l'autre autorité, président Alfouni Jekade Rivière dans la côte Sidla sorti Tiburon pour Rivière Ouachabato. D'après constat président, Rivière Sayo représentait une menace pour la vie mounio, surtout dans le moment de l'eau descend. Côté de l'eau, habitué beauté en pile terre à la gaine dans la mer, ça qui connaît la cause gros dommage sur le secteur agricole. Président Jovenel bail garanti toute rivière qui dans côte sud là pour le tirer, une façon pour empêcher yo suspendre causer dégâts. Toute rivière dans zone ça yo purée. Rivière Tiburon, rivière Chadonnière, rivière Ouachabato, rivière Portapimon. Toute rivière les Anglais, rivière Coteau. Pas gon rivière dans côte sud là pas purée. Ça veut dire l'air de l'eau vini li descend l'opté qu'on entre dans ville qui te qu'on a inondé mon l'eau qui te qu'on craser jardin mon. C'est pour ça nous, c'est pour ça caravane changement dans sud là pour le porter solution à tout problème ça. Toute rivière dans côte là ciblé jeune intervention caravane là rivière les Anglais c'est premier côté caravane après l'agir. D'après le directeur environnement dans le département Sidla. D'un côté, on a touché avant, c'est rivière les Anglais. Parce que là, on regarde l'État les Anglais. Et si nous avons commencé, il faut que nous obligés à prendre un peu de temps pour nous commencer avec les Anglais. Yon l'autre bord, le président estime que c'est un gros travail qui doit être fait sur rivière Sayo, qui n'a pas aucune intervention depuis plus de 40 ans. Les cités divers travail qui doivent être fait sur rivière Yo, c'est tout travail barrage qui permet d'utiliser de l'eau pour roser jardin dans le moment de sécheresse. Rivière ça yo, depuis presque 40 dernières années, pas de beau travail qui fait sur yo. Il y a des travaux légers qui sont faits. Mais le problème climatique que le pays a aujourd'hui, le changement climatique, yo, rivière ça yo, mande, c'est gros travail qui fait sur yo. Tant pour travail curage, tant pour travail protection belge, tant pour travail protection bassin versant, c'est des gros travail qui fait sur yo aujourd'hui. Il y a possibilité pour nous faire barrage et irrigation sur eux. Ça veut dire pour nous serrer de l'eau. Là, il y a un pile là. Là, il y a une sécheresse pour nous pomper pour nous éteindre, pour nous regarder de l'eau. Visite ça qui visait Rivière dans la côte là, réalisée dans la tête collée avec le ministère de l'Environnement. Ce n'est pas une visite pour faire démonstration, genre un pile monde d'accord ça, mais c'est pour porter solution cap dire dans ça qui gagne à ouais avec protection environnement, surtout protéger la vie monde contre les collègues Rivière qui toujours descendent botte en botte. À traiter bassin versant yo selon directeur départemental site environnement Jean-Marc Cherizier qui se représentant ministre environnement Pierre Simon Georges. Premier président dans tout petit coin ensemble avec le ministre de l'environnement c'est pour nous voir comment nous capable résoudre problème ça une fois c'est pas venir faire une démonstration pour, et puis après 2-3 ans problème là répété c'est résoudre c'est voir comment nous capable traiter bassin versant yo. Et puis l'enfin traiter bassin versant pour nous curer toute rivière pour nous voir de l'eau dans la mer. Non seulement travail qui rage rivière, le président promet pour le réaliser par moyen caravane, mais tout, chef l'État mette accent sur le problème jardin qui n'a pas joint de l'eau. Président Jovenel fait connaître tout, la porter solution pendant qu'il peut construire système irrigation dans toute côte là. L'État vient garder problème nous pour venir à solution. Solution. Dans le problème d'irrigation que zone Tiburon a gagné. Solution dans le problème d'irrigation que zone les Anglais, Chadonnière, Port-à-Piment, Ouachabato a gagné. Nous avons une solution pour eux. Système d'irrigation, le président promet là, a apporté plusieurs avantages d'après ça. Le système ça pour être capable de traiter de l'eau pour les gens et pour les qui donc créer des blocs sanitaires. Par exemple, dans la zone côté nous là, nous allons travailler pour que le système d'irrigation qui va gagner, l'autre système qui va le souli, qui va permettre de purifier de l'eau et nous permettre de boire. Même si nous avons un petit système pilote dans la grange, son bleu rivière qui purifie. Son système pilote pour nous. Et système, ça nous dit, j'en ai dit depuis le 1er mai la grange,
système ça la permet nous faire bloc sanitaire pour paysans faire besoin. La permet nous faire bloc sanitaire pour nous avoir une bonne bloc bien. Président des conseils avec le ministère de l'environnement, nous prenons une décision avant longtemps pour Monzaïo. Non seulement pour gagner de l'eau capable d'arroser près de 200 à 300 hectares de terre, mais tout pour tout capable de traiter de l'eau à tout demander d'y n'est pas pour mettre de l'eau potable dans la zone pour nous capable de vendre de l'eau potable pour utiliser. Président PIA Jovenel Moïse profite de lancer Yompinga par une organisation qui a intention de construire latrine à Caille pour Moun. D'après le président, l'organisation doit contacter l'instance de l'État qui concerne la question de l'eau, qui a même admetté devant eux et standard qui doit respecter dans ce sens. Nous interdit sur le territoire national, sur les 27 750 km2 d'Haïti, construction de latrine publique. Quel que soit le monde qui veut venir faire un projet d'assainissement, dans ce sens, il faut voir avec le ministère de l'Environnement. Avec la Direction nationale de l'eau, ça veut dire le ministère des Travaux publics, le ministère de l'Agriculture, pour bailler au standard. Pour dire que, mais quel type de bloc sanitaire que nous voulons faire, et mais comment nous voulons que le peuple haïtien ait besoin de nous. Puis, fort travail caravane n'a pas réalisé, a bien impact direct sur l'environnement. Qui donc, ce travail qui a porté changement dans le secteur Sahara, qui a dégradé chaque jour plus. C'est ça que fait. Le président fait visite à la tête collée avec le ministère de l'Environnement, qui lui-même, c'est chef caravane dans le site BIA. Le ministère de l'Environnement, c'est lui-même qui est chef caravane dans le Grand Sud. Et dans le Sud, le président Patap Jama prend une décision qui concerne le ministère de l'Environnement pour le faire sans ministère de l'Environnement. Son visite, des concerts avec le ministère de l'Environnement. Président est passé toute une journée pour le river visiter toute commune. Visite ça, tu es ciblé rivière pour voir quelle solution qui te porter et pour vérifier le travail caravane. Dans quelques localités côté le passé, la population t'est accueillie la contentement. Président déjà sur plusieurs visites dans le département Sidla depuis caravane rivière dans la région. Travail, ma travail.